tout le monde. Voilà, tout pile à l'heure en plus, c'est merveilleux. J'espère que vous avez pu prendre une petite pause aussi. J'en ai profité pour aller voir Laurel et Hardy, là, dans le couloir, mon plombier et mon serrurier. comment dire, l'eau n'arrête pas de monter, en fait. Donc, je pense que très, très vite, je ne vais plus avoir besoin de la bassine. Je l'aurai directement dans mon salon, en fait. Voilà, je pense qu'il y a un tuyau qui est bouché et que chaque fois que quelqu'un vide son évier ou fait tourner sa machine, toute l'eau se déverse devant ma porte. C'est magnifique. Enfin bref, c'est pas grave, on verra bien comment ça se dégoupille tout ça. Voir si je finis avec un masque et un tuba ce live ou pas. Et puis on va repartir, donc voilà. De toute façon, je pense que, bon là il est 23h, je pense qu'on se fait encore une petite heure de challenge et puis qu'après on arrêtera tranquillement, c'est pas mal pour un début. Donc je rappelle, oui je me suis pas mis à zéro juste avant, donc je rappelle que voilà, je suis en dette. Puisque j'ai tiré moins 1000 euros, moins 1000 simflouz alors que j'en avais que 408, n'est-ce pas? Donc je dois plein d'argent à la banque. Et puis j'ai toujours pas un rond, donc c'est cool. Voilà. Sinon j'ai ouvert un petit peu, j'espère que ça va se rafraîchir et que... voilà, alors je vous raconte pas, là il y a le serrurier qui est en train de péter la serrure du local qui est en train de fuir. Et à coup de perceuse, donc il est 23h, on est mercredi soir, c'est ça? On est mercredi soir et il attaque à la perceuse à 23h. C'est les voisins qui vont être contents. Allez, vas-y, continue d'écrire, toi. Donc je rappelle que je suis auteur mais que je travaille pas pendant 3 jours. Et que pendant tout ce temps, j'ai le droit d'auto-publier mes livres. Donc voilà. Et sinon, vous pourrez dire à Missing, s'il n'est pas là, que j'ai repris le live sans oublier de remettre le son quand même. Je progresse chaque jour. Et sinon, pour en venir à la bassine, sachez que c'est une très très bonne idée. Si vous souffrez de la chaleur, faites péter la bassine. C'est un pur moment de bonheur. Voilà, c'était le conseil canicule du jour. Conseil canicule, mettez vos pieds dans une bassine d'eau froide. Ensuite, bon, ça y est, t'as fini là? Voilà, on va aller le vendre. Il y a des toilettes là. Ouais. Oh, mais il y a tout ce qu'il faut. On va peut-être même venir vivre ici, je crois. Toilettes. Il y a de quoi se faire à manger et tout. Oh, venez, on emménage dans la bibliothèque. Il y a un endroit pour dormir. Est-ce qu'il y a des douches? Ah, il n'y a pas de douche. C'est dommage. Mais enfin, au parc non plus, il n'y a pas de douche. Donc, on va emménager dans la bibliothèque. Il y a un canapé pour dormir, tout va bien. Il y a une boîte aux lettres, auto-publiée. Pourquoi je peux pas? Parce que je suis sur un lieu communautaire, sûrement. Voilà. Attends, mets du temps à aller aux toilettes. Ça y est? Allez, retourne écrire. Non, mange un bout d'abord. Préparer, manger un repas rapide. Oh, c'est gratuit, vas-y, bouffe des céréales. Et après, écrire un livre de genre enfant. Par contre, je vais aller annuler là tous les événements parce que sinon on va se taper des moulettes négatifs à chaque fois. Vas-y, fais péter. Il est où le calendrier là? Bon, je sais même plus où est le calendrier moi. Un mois sans jouer aux Sims, c'est. Ah, mais putain, c'est pour ça que j'ai pas pu aller bosser, c'est parce que c'est un jour férié. Non? Bah non, c'est pas un jour férié, pourtant. Non, ça a pas l'air férié, cette histoire. Bah non, c'est pas férié non plus, mais on va l'abandonner, celui-là. Non, c'était pas pour ça. Elle ira pas bosser. Ah oui, ouais, non, bah on va abandonner les jours fériés. Allez. Il est pratique ce bâtiment, trop pratique. Si, c'est férié. Mais non, c'est pas férié, regarde. Attends, sors, dégage de là, toi. Je sais pas, il disait c'était pas férié. Toi, il était pas. Il y a pas ça, là. Ah, si, jour férié, pardon. J'avais pas vu.
Ah bah c'est pour ça qu'elle est pas allée bosser. Autant pour nous, autant pour moi, on a résolu le problème. On a résolu le problème, on sait pourquoi elle est pas allée bosser aujourd'hui. Donc c'est de ma faute. J'avais pas checké les events. Oui, oui, t'as raison, j'ai vu après. C'est ma faute. Je sais pas si vous entendez le boucan qu'ils sont en train de faire. Je pense que dans 10 minutes, j'ai tous les voisins dans le couloir. On va pouvoir tous se faire une soirée piscine. Si je lâche un peu de lessive au milieu, ça fait soirée mousse dans l'entrée. Magnifique. Comment occuper ces soirées? Organise une soirée mousse dans ton hall d'immeuble. Ah mais heureusement que je suis sortie à ce moment-là, parce que sinon j'aurais de la flotte plein de couloirs. Sincèrement, si j'étais pas sortie à ce moment-là et que j'avais pas protégé ma porte avec une serviette, je pense que je serais inondée actuellement. Et là, sincèrement, l'eau arrête pas de monter. J'espère qu'il va résoudre le problème ce soir. Sinon, il va falloir que je mette un bon stock de serviettes devant ma porte. Bon, mais ça va si vous entendez pas. Parce que sinon, demain matin, je vais me lever, je vais avoir les pieds dans l'eau et ça n'a rien à voir avec ma bassine. Alors, est-ce que ça rafraîchit un peu tout ça? Ah, mais ça va, on a perdu 0,5 degrés, magnifique. Ça fait toute la différence. T'as fini ton livre là? Un livre? Maintenant, il n'y en a qu'un. Pourquoi tu finis pas? Ah, tu t'ennuies et t'es fatigué. Bah, dors et regarde la télé. Attends, tout le monde est vénère dans ce parc là, enfin, dans cette bibliothèque. À domicile, ouais, c'est un peu ça, ouais. Ouh. Non, mais c'est de ma faute, j'ai passé ma journée à me dire qu'il me faudrait une piscine et paf, j'en ai une. C'est beau quand même. Alors. Non, mais j'espère vraiment que je vais pas être inondée cette nuit, parce que sinon, demain matin, ça va pas me faire rire. C'est pas que je rigole là, mais j'essaie de relativiser, mais je vais foutre toutes mes serviettes dans l'entrée. L'eau ne passera pas à ma maison. C'est surtout, c'est bien si tu veux sortir, ça fait poitou joueur. C'est pédiluve en fait. C'est le pédiluve. Regarder un film. Après tu retourneras écrire un petit peu. Oh bah c'est bon, hop là. On s'emballe pas, on va pas y passer la nuit. Écris-en un deuxième quand même. C'est pour faire de l'argent. Bon, on va rester là au moins le temps qu'on est auteur, je pense. Hein. Au moins pour pouvoir... Bon, j'ai rien oublié, hein. J'ai fait la chance. J'ai trouvé un métier. Demain matin, on refait la chance. Enfin, on fait événement. Yibs. Yibs. Non, bah... Oh, je vais être ruinée, quoi. Il me faut des sous. Hein. Et puis dimanche, tout l'argent que je vais gagner, il va revenir à zéro, quoi. Et si j'ai pas remboursé... Oh, en plus, je travaille pas pendant 3 jours. Oh là 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 là. Oh, mais ça veut dire que là, pendant 3 jours, je mange pas. Enfin, je mange genre de l'eau. Ah, si, attends, regarde. Reprendre chips et sauces mexicaines. Ils sont gentils, ils sortent des choses du frigo. Ils sont gentils. Ils sont bien braves. On les aime bien. Allez. Ouais, je m'en fous que tu sois niveau 3, je veux que tu finisses le livre. Pour qu'on rentre à la maison l'auto-publier pour faire un petit peu d'argent. Ça rapportera pas grand-chose, mais... Ah bah non, tu veux pas finir. Allez, reprendre. Pourquoi ? Ah mais elle bouge pas. Oh bah s'il y a que ça... Ah oui. Oh, attendez, parce que... je pense qu'en fait, c'est parce qu'il n'y a rien pour préparer. Qu'ils ne peuvent pas se faire à manger. Voilà. Allez. Reprendre. Tu as les repas rapides. Ouais, c'est ce que je vais faire. Je vais bouffer des céréales pendant 3 jours. J'ai pas le choix, de toute façon. Allez. Parce que là, elle crève la dalle. J'espère que c'est un gros... Où elle va? Sérieusement. Je pense qu'il y a des pas qui étaient inutiles, ma grande.
Allez, un petit dodo. Ah, elle a terminé d'écrire un livre. Allez, tu dors et puis après on rentre à la maison pour les auto-publier. Et on revient à la bibliothèque parce que là... Là, c'est pas facile sinon. Oui, on a loupé, on va encore être triste et tout. Magnifique. Allez. Allez. C'est tout, tu veux pas dormir un peu plus? Dors un peu plus. Dors. Non, pas s'asseoir, pas s'asseoir. Faire une sieste. Après, un petit pipi. Se laver les mains, se laver les mains, se laver les mains, se laver les mains. Voilà, voilà. Et hop. Donc 7 heures du matin, bon, on fait rien parce qu'on a déjà un emploi. Hein, on a déjà un métier, même si on peut pas y aller. Et une fois qu'on aura fait là tout ce que je lui ai dit de faire, on ira auto-publier nos livres. Mais du coup, je pense que pour l'instant, je vais rester ici parce que c'est mieux que le parc. Il y a au moins un frigo. Voilà. Voilà, lave-toi les mains, lave-toi les mains, lave-toi les mains. Oh, il y a quelqu'un qui a fait à manger! Manger. Ils sont bien ces gens. Pêche-toi, ça va être périmé. T'es obligé d'aller le manger là-bas. Il n'y avait pas des chaises entre toi et le salon. Voilà, super. Allez, retourne. Non, on a dit qu'on allait à la maison d'abord. Tant pour moi. Avant de reprendre les écritures. Ou alors on se fait un petit troisième livre, elle a l'air en forme. Ah, il est 10h. Oh putain, c'est stressant. Alors, il est 10h et nous sommes en événement. Alors, comment dire? Hop. Donc, le tableau événement. Croisez les doigts, serrez les fesses, tout ce que vous pouvez là, parce qu'on en a vraiment besoin. 10 Siri. Peux-tu me donner un bon chiffre entre 1 et 26, s'il te plaît? Nombre aléatoire entre 1 et 26 font 7. 7. Alors, 7, 6. Brocante. Oh, c'est la brocante! Aujourd'hui, c'est jour de brocante et vous pouvez donc vendre tout ce que vous désirez. Ce jour-là, votre sim peut vendre tous les objets qu'il a fabriqués ou récoltés ainsi que ce qu'il a acheté via le mode... Achat! Wouhou! On va pouvoir rembourser peut-être une partie de notre dette. Voyons voir. Alors, les My Sims aussi ou pas? Non, je crois pas. C'est pas précisé. Donc, on va dire que non. Ah, le ton prend de la valeur. Donc, le ton périmé rapporte plus. C'est bon à savoir. Voilà. Donc, il faudrait que ça fasse 592 € tout ça, voyez-vous? Ça pourrait m'arranger. On va pas les avoir, les 500. Mais on va en avoir une bonne partie. 383, 20... Ouais, il est fort, Siri. En fait, c'est parce que je lui ai pas demandé de me donner un bon chiffre. Non, je pense que les... Ça, je peux toujours pas les vendre. C'est bien 403. On va attendre d'avoir la somme exacte. Hein. De toute façon, ça sert à rien de remettre à zéro. Puis, si on tombe sur un truc pourri, de toute façon, on déduira. On a l'habitude. Donc, on va attendre d'avoir la somme exacte. Hein, je suis contente. Ça tourne un petit peu la chance. Et tu vas aller à la maison on peut peut-être fabriquer un truc. Je sais pas. Qu'est-ce qui peut rapporter? Vas-y, fabrique un tableau. Vas-y, fais une grande toile classique. Ça fera un peu de sous. 408, il te reste 500. Ouais, je sais. J'ai noté.
J'ai noté 592 avant mercredi. Parce qu'avec ma tête de linotte... Déjà, quand je tire un nombre avec Siri, 30 secondes après, je l'ai oublié. Alors, on sait bien que les gros chiffres comme ça, c'est pas gagné. Hop. Alors. Vas-y, peins un tableau qui rapporte. Fais-moi un chef-d'œuvre direct. Je sais, c'est pas possible, elle a aucune compétence. C'est bon, aucune compétence en peinture, mais bon. Allez, après on ira auto-publier les livres et on reviendra peindre et... Donc jusqu'à demain matin, 10h je suppose. J'ai mon ardoise aussi pour prendre des notes quand je joue, c'est pratique. Ouais, non. Ah, moi j'ai mon petit calepin maxi, mais... Vendre. Oh la haine! Ah non, je viens de perdre 20 simflouzes là. Bon bah... Bah, du coup... Ouais, vas-y, rentre à la maison. Va auto-pub. Non, mais je... Je sais même pas pourquoi je continue à jouer. Je vous jure. Alors, rentre à la maison. Tiens, tu vas peut-être pouvoir récolter les fraises aussi. On va peut-être pouvoir les vendre en même temps. Non, c'est bon, pas la peine d'appeler les gens. Pas la peine d'appeler qui clique ce soir pour aller ramasser les fraises. Alors, déjà auto-publié. Hop. Et auto-publié. Hop. Voilà. Mais il recevra de petits droits d'auteur tous les jours. Ok. On va recevoir 3 simflous de toute façon. Quand tu... Ouais, c'est ça. Pff, chier. Pourquoi je peux rien faire? Cette plante n'a pas besoin d'eau. Je peux rien faire là et ça pousse pas. Pourquoi ça pousse pas? Bon, ben, retourne à la bibliothèque, hein, parce que... On va essayer de peindre encore une fois. Parce qu'il faut qu'on fasse un petit peu d'argent, là, avant la fin de la journée. Ce qui nous manque. Faut qu'on aille au moins jusqu'à 500. J'aimerais bien rembourser ma dette. Aujourd'hui, comme ça, c'est fait. Je prends pas 50% d'augmentation. Parce que là... Là, on frôle la cata, quand même. Et donc... qu'est-ce que c'est, là? Il y a un truc? Non, bah non, il y a rien. Ah si, je savais que j'ai un truc. Creuse. Creuse, ma fille, creuse. Ah, il m'a chopé, non. Hop. Toile classique, grande toile classique. Qu'est-ce que t'as trouvé? Qu'est-ce qui est... Oh, allez, va les vendre. On a le droit aujourd'hui. Voilà, on récupère les 20 qu'on avait perdus. Ah, il faut être sur le terrain. Ah, merde. Bon, bah tant pis pour les fraises. De toute façon, ça rapporte pas beaucoup au début. Donc, c'est pas très grave. J'ai plus d'espoir... en fouillant et en peignant, en chopant un ou deux points de peinture, que avec les fleurs. Ce qui serait bien, c'est que je perde pas de thunes. S'il te plaît. Au moins que je rentre dans mes frais, quoi. Et donc, la brocante, c'est le dimanche matin à Sanmai Shuno. Shimo. Non, Shuno, je sais plus. Ils sont encore là, ils leur donnent des noms bizarres aussi. Alors, allez, le verdict. Combien va me rapporter ce tableau? Est-ce que ça m'a... Est-ce que je vais devoir plus d'argent que ce que j'ai? C'est possible, hein, parce que vu mon bol habituel, c'est pas gagné. Allez, tu es presque. Et puis on va voir. Oui, mais un dimanche sur deux. Ah, ok. Bah voilà. Où tu vas? Ah, tu es pas contente. C'est pas grave. Tant que tu peux peindre, tu peins. Voilà, donc on a récupéré 20 simflous. Et on est inspiré. C'est bon, ça? C'est bon. Hop, on va encore gagner un point. On est à deux doigts du chef-d'œuvre. Je le sens. Par contre, elle peint toujours le même tableau. C'est...
C'est quand même étrange. C'est 4 fois qu'elle me peint le même. Je pense qu'elle fait une focus. Je pense qu'elle fait un focus ou qu'elle a un vrai problème. Parce qu'elle me peint toujours le même. Je sais pas. C'est peut-être parce qu'on est sur un. Je sais pas pourquoi. Excusez-moi, j'ai besoin de me réhydrater. Il faut quand même savoir que je reviens de 3 semaines dans le sud où j'ai crevé de chaud, où je me suis dit bon, je rentre à Paris, mais au moins la nuit fera frais, on pourra se reposer, il va faire bon. Mais walou, il fait encore plus chaud que dans le sud. Oh, nickel, 70 simflouzes. J'ai constaté, hein, ça varie moins, je trouve. Ah bon, d'accord. Bon, hey, tu vas aller dormir. Faire une sieste. On n'est pas prêt de s'acheter une cabane, hein, je vous le dis. Je pense qu'on va passer tout le challenge dans cette magnifique bibliothèque. Vu qu'il n'y a pas moyen de moyenner de se faire de l'argent. Allez, on va laisser dormir. Ah, par contre, du coup, comme il y a du monde, on passe pas en hyper vitesse. C'est un peu dommage. Qu'on soit bloqué par les PNJ. Allez. Ouais, bah vas-y, mate la télé. Je suis pas en train d'essayer de dormir, là. Top plaisir. Allez, c'est le bordel, là. Tout est rouge, tout est jaune. Il y a tout qui clignote. Je pense qu'elle est au bout de sa vie, la pauvre. Je crois qu'il y a le serrurier qui est en train de galérer sur la serrure, quand même. Parce que ça fait quand même 25 minutes qu'il est dessus. Et il continue de taper. Je pense qu'en fait, c'est pas un local entretien, c'est un coffre-fort. Falloir aller aux toilettes, je crois. Hop, utiliser. Quelqu'un a laissé à manger? Oui, bon, ça c'est pourri, mais... Reprendre, hop. Allez, c'est bon, t'as assez dormi. Qu'on ait au moins 2 barres dans le verre, c'est pas mal. Hop là. Et... Vas-y, jette-moi ça. Putain, elle est loin la poubelle, oh. Tu pouvais pas aller dans celle-là, là. Non, faut que tu fasses le tour. C'est tellement plus fun de faire le tour. Non, alors là, il va falloir faire une porte, là, parce qu'il y a un vrai problème de... Comment dirais-je? Il y a un vrai problème. Réseau social, tiens. Non, on s'en fiche. Jouer à Vive les Sims. Là. Ah, il va être 7h... Ah non, je suis con, j'allais dire, il va être 7h du matin, mais on s'en fout. On a déjà un métier. On travaille quand, d'ailleurs? Dans 5h. Ah, bien! Premier jour de travail. Ouais! On va peut-être les avoir, les 580. Il nous manque 100 simflouz. On va quand même se faire 100 simflouz au travail. Quand même. On verra bien. Bon, c'est bon, t'as assez joué. Alors. Non, je me suis... C'est pas ça que je veux. Se laver les mains. Regardez, on va partir au boulot. J'ai presque tout remis dans le verre. Presque. Pas non plus on peut faire des miracles. Hein. Mais presque tout est dans le verre. Alors. Hop. On va essayer d'aller dormir, mais je pense que ça va être l'heure d'aller au travail. À quelle heure c'est donc qu'on travaille? À 11h. D'accord. Je sais pas si on va pouvoir dormir un petit peu. Ça manque hein, quand même un lit. Hein. C'est... Ça serait vraiment bien d'avoir un vrai lit. Hein. En fait, c'est un hôtel qu'elle aurait dû faire. Plutôt que de faire une bibliothèque. Mais là, ça aurait été trop facile. Hop. Bon, allez.